Nous voulons ici, par ma voix, vous signifier que nous serons disponibles. Je sais que vous, l'UNESCO, cette grande organisation qui compte à peu près 195 maintenant, au sein de ses membres, effectivement, vous avez des activités que vous pouvez mener. Et nous, les sportifs, en particulier les footballeurs, nous serons disponibles. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi notre rôle dans cette société. Et comme je l'ai dit, on a eu cette chance de pratiquer ce beau métier qui est le football, qui rassemble beaucoup de foules. Donc ici, au nom de mes camarades, je peux vous rassurer que tout dépendra du cahier des charges ou bien des activités que vous souhaiterez que nous menions ensemble. Nous allons encore nous revoir et puis organiser, mettre les choses en place pour que notre collaboration soit effective. Les Lions du Cameroun, les Lyonnaises du Cameroun, les champions, les role models du sport camerounais, les champions d'une époque qui a connu les stars du Cameroun qui ont brillé sur le niveau mondial. Ils ont été reçus aujourd'hui à l'UNESCO pour voir comment est-ce qu'on peut travailler pour valoriser le sport parmi les jeunes, parmi les enfants, comment l'UNESCO avec l'association des joueurs, des footballeurs, des stars camerounais pourrait valoriser le vivre ensemble à travers le sport pour la paix. Et c'était un honneur de le recevoir aujourd'hui. Nous avons discuté de quelques pistes de collaboration, quelques projets qu'on pourrait mener ensemble pour encourager le sport, par exemple, dans les zones rurales, découvrir les talents parmi les enfants, surtout dans un pays comme le Cameroun qui regorge de talents parmi ces jeunes et qui pourrait jouer un rôle vraiment comme modèle pour toute la sous-région de l'Afrique centrale. Nous avons discuté du rôle qu'ils peuvent jouer pour promouvoir la culture, la diversité culturelle, l'éducation des filles et s'associer à quelques initiatives clés de l'UNESCO comme l'éducation à distance, l'éducation des filles, le programme Education Plus et bien d'autres. Voilà. C'était l'échauffement, c'est juste une réunion de prise de contact, mais qui présage de beaucoup de bonnes choses que nous pouvons faire avec l'UNESCO. Nous avons déjà été sollicités plusieurs fois, comme je l'ai dit, par UNICEF et d'autres, pour essayer d'aider à apaiser la misère des gens, pour œuvrer pour le vivre ensemble. Toutes ces petites choses qui font qu'un pays peut être soudé. Et je crois qu'aujourd'hui, l'UNESCO officiellement invite les anciens Lions à s'associer à elle pour que nous puissions rendre le commun des gens meilleur, pour que nous puissions rendre le Cameroun meilleur et que nous puissions également nous valoriser nous-mêmes, parce qu'il y a des petites choses que nous faisons chacun dans notre coin et maintenant nous pouvons les faire avec une grande structure, toujours pour le bien des Camerounais, le bien de la jeunesse. C'est gratifiant d'aider les jeunes à aller à l'école, les aider à se découvrir, et je crois qu'aujourd'hui nous engageons une très très bonne collaboration et nous espérons que tous les Lions seront derrière nous pour mener ce combat.